Aujourd'hui, je vais vous présenter ce rasoir anti-bouloche que je possède personnellement depuis plusieurs années et qui a une grande utilité pour moi puisque je m'en sers assez régulièrement pour nettoyer mes tissus et notamment mes vêtements. Donc sans plus attendre, je vais vous le présenter. Donc c'est le modèle de chez Wenco. C'est un rasoir anti-bouloche qui mesure 15 cm de hauteur et 8 cm de large. Donc c'est vraiment très compact, ça se tient à la poignée, très simple et surtout très léger. Alors comment il est conçu? Eh bien ici il y a tout d'abord la lame qui va venir couper les bouloches. Donc en fait c'est tout simplement un rasoir qui coupe finalement les fibres qui tiennent la bouloche. Dessus il y a un couvercle de protection quand on ne s'en sert pas. C'est pratique pour éviter notamment les accidents domestiques si vous avez des enfants en bas âge à la maison, on ne sait jamais. En dessous, en façade, il y a un petit réservoir dans lequel vont atterrir les bouloches et les fibres qui ont été coupées. Donc pour les détacher, c'est très simple, il coulisse et il se tient. Petit rasoir amovible, facile pour le vider et pour le nettoyer. Donc pour le remettre, il se clipse directement et il tient fermement. Je le retourne. Donc ici, on a tout simplement la mise en marche de l'appareil. Il n'y a qu'une seule vitesse. En position basse, il est en mode éteint. Et si je lève cet interrupteur, il se met en marche. Donc on voit à l'intérieur que la lame se met à tourner. Pour le rééteindre, rien de plus simple. Je redescends et c'est terminé. Alors comment il fonctionne cet appareil? Il fonctionne à pile. L'espace à pile se trouve ici. Donc il y a un crochet en dessous pour ouvrir le compartiment. Il suffit de tirer. Et on met dedans donc deux piles A, ce sont des piles LR6 et qui permettent d'avoir une autonomie de, j'ai envie de dire, plusieurs années parce que honnêtement, depuis que j'ai mis ces deux piles, ça fait 2 ans que j'ai cet appareil, je ne les ai jamais changés. Donc je n'ai pas à me plaindre au niveau de l'autonomie. Donc, pour remettre le couvercle, c'est très simple, ça se clipse et voilà. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le test produit. Donc on va voir à quel point il est efficace. Pour cela, j'ai pris un sac de couchage qui possède pas mal de bouloches sur l'ensemble de sa surface. Alors, on peut voir hein, par exemple ici que c'est bien des bouloches, donc c'est chiant à enlever. Par rapport au nombre qui se trouve en surface, ça peut prendre énormément de temps si on le fait à la main. Donc avec cet appareil, on va commencer le test. Petit conseil d'abord, au préalable, c'est très très important. Il faut, avant de passer l'appareil, toujours tendre au maximum le tissu parce que c'est une lame, donc c'est une lame qui coupe. Si jamais le tissu a des plis, finalement, quand vous allez passer le rasoir, ça risque de le couper. Donc, que ce soit cette marque ou n'importe quelle autre marque, ce sera le même problème. Donc, tendez bien, tendez le plus possible pour éviter tout dommage sur le tissu. Donc, c'est parti, je vais commencer avec les bouloches qu'on peut voir ici. Donc, j'allume l'appareil. Je tends le tissu très légèrement avec ma main, juste pour qu'il soit bien tendu. Et c'est parti. Donc on peut voir ici, notamment, là on va bien le voir à l'image, qu'en passant dessus, les bouloches sont automatiquement aspirées et enlevées. Ça permet de donner comme une seconde jeunesse au tissu. On va monter plus haut, on va en prendre d'autres. Ici. Donc, je tends avec l'une de mes mains, avec l'autre main je prends l'appareil et je passe. Et comme on peut le voir donc à l'image, les bouloches se logent dans le petit compartiment. Si j'enlève, hop, elles sont ici. Et voilà. Second test, cette fois-ci sur l'un de mes vêtements, donc c'est un jogging, ça a tendance à retenir, à attirer beaucoup de bouloches. Donc je vais faire le test sur du textile, vêtements, c'est parti. On peut voir ici qu'il y a plein de fibres collées, donc partiront, c'est bien attaché, c'est parti. Je fais même sur la couture. Et voilà, on peut voir que ça a un rendu impeccable. Ça donne vraiment une seconde vie aux vêtements et surtout ça fait beaucoup moins sale. Éventuellement continuer pour la démonstration. Ici il y en a vraiment pas mal sur la poche d'ailleurs. Et ce qui est très bien c'est qu'il n'y a même pas besoin d'appuyer. Il suffit juste de passer tout doucement l'appareil et ça fait le travail. Alors je précise que les taches blanches visibles ici, 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 c'est de la peinture, hein, donc rien à voir avec les bouloches. Là, je le fais également sur le rebord. Et
et tout s'en va sans faire de dégâts aux vêtements. Ça, c'est super important. Donc, ce petit appareil qui est pour moi révolutionnaire parce que franchement, ça m'a changé la vie quand je l'ai découvert, que je possède depuis maintenant 2 ans, est super efficace. Il est au prix de 15 euros seulement. Alors, parfois, c'est un petit peu plus, parfois, c'est un petit peu moins, mais ça ne dépasse jamais 20 euros. C'est en fonction des prix qu'applique la marque. Donc, c'est le modèle Wenco. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il est vraiment très, très efficace. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo si vous avez apprécié le test. Abonnez-vous, c'est super important si vous ne voulez pas rater mes prochains contenus. Et je vous retrouve très bientôt.